Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de traverse ici en Vendée avec Richard Leluel. Richard Leluel, bonjour. Bonjour Ronan. Après avoir donné la parole à Armand Bérard au sujet d'un chef vendéen, Auguste de la Roche-Jacquelin, nous allons maintenant nous tourner vers un autre chef, un chef de l'armée républicaine d'une colonne infernale dans cette guerre de Vendée. Richard Lluay, donc vous êtes né en 1969 et vous vous passionnez pour l'histoire des guerres de Vendée depuis l'âge de 20 ans. Vous êtes auteur de plusieurs articles sur les guerres de Vendée depuis les années 2000 pour diverses revues associatives et vous animez depuis 2010 ce qui est peu à peu devenu un blog de référence sur le sujet. Vous avez publié votre premier roman en novembre 2018, Le Souterrain au Trésor, un mystère des guerres de Vendée, la quête d'un trésor oublié au cœur du pays sérisin. Et votre deuxième tome, Le souterrain au trésor, Le secret du château du Puy-Gaillard, est paru en février 2020. Merci de nous recevoir ici donc en Vendée pour parler de votre livre paru aux éditions Le lys et le lin. Moi, Grignon, grande joie de vous recevoir. Et vous savez que sur RCF, la joie se partage. Richard Lelueil, pour l'auditeur et moi-même qui ne savons pas grand-chose de cette période troublée de la Révolution et des guerres de Vendée, rappelons, si vous voulez bien, en quelques traits, euh, les guerres de Vendée qui démarrent, je crois, avec un, un décret euh, donc de, de la Convention en 1793-1794. Mais pourquoi et comment ça démarre, Richard Lueil Alors, ça démarre parce que déjà en 1790, on a la Constitution civile du clergé qui va obliger les prêtres à prêter serment au, euh, au, à, la, à la loi de la Constitution civile et au gouvernement. Donc, les prêtres deviennent de purs fonctionnaires qui sont censés, bien entendu, être des révolutionnaires. Le souci, c'est que dans les contrées de l'Ouest, ce serment va être très mal perçu, les prêtres vont le refuser dans leur grande majorité, et on va essayer de placer des prêtres euh, qui ont prêté le serment, donc ce que les Vendéens appelleront des prêtres intrus, à la place des prêtres légitimes. Les premiers troubles vont commencer en 1791, un petit peu partout dans le bocage vendéen, euh, c'est-à-dire le bocage vendéen, hein, entendons-nous, c'est le, le bocage qui se situe au nord de la Vendée, des Deux-Sèvres, et dans le sud du Maine-et-Loire, donc dans l'actuel territoire des Mauges. Et euh, il va y avoir plusieurs échauffourées. 1792, le mois d'août 1792, les paysans de la région de Bressuire, donc dans le nord des Deux-Sèvres, vont se révolter aux alentours de la Saint-Louis 1792, donc le, vers le 25 août 1792, contre ce qu'ils perçoivent comme euh, des, des, des inéquités dues à la Révolution. La Révolution leur avait promis plus de liberté, leur avait promis la fin des corvées, leur avait promis des tas de choses, qui en fait se sont avérés ne profiter qu'aux riches, et en particulier aux bourgeois, les acquéreurs de biens nationaux, par exemple, qui vont acheter à vil prix des églises, des abbayes, des châteaux, etc. Rien de tout ça ne profite à la paysannerie au peuple en règle générale. Et puis en 1793, il y a la mort du roi le 21 janvier 1793, et ensuite et ensuite il y a quelque chose qui va déclencher, qui va mettre le feu aux poudres, c'est la levée des 300 000 hommes. Pour résumer, à partir du 22 février 1793, on vient de déclarer la guerre à l'Europe et on demande à des paysans de quitter leurs terres pour aller se battre aux frontières avec une loi de conscription. Alors déjà, la conscription, sous l'Ancien Régime, il y avait la, la milice, c'était très mal perçu. Et là, bien entendu, ce régime que l'on déteste, dont on, dont on est foncièrement déçu, vous demande d'aller vous battre, de, de laisser votre maison, votre femme, vos, vos enfants, pour aller se battre aux frontières dans des, dans des, dans des, dans des, dans des contrées dont, dont on n'est pas, et puis pour des raisons qui, qui nous échappent. On leur demande de faire ça et euh, pendant ce temps-là, ceux qui vous donnent les ordres d'aller vous battre aux frontières, eux, restent bien tranquilles dans les bureaux parce qu'ils sont fonctionnaires et ils sont dispensés de conscription. Donc, la première explosion euh, vraiment d'importance va avoir lieu aux alentours du 10 mars 1793. Les choses vont démarrer à Clisson, en Loire-Atlantique, à Saint-Florent-le-Vieil, dans les Mauges. Et puis, les Vendéens vont être rapidement. Euh, ceux qu'on va appeler les Vendéens, donc les, on peut les appeler les, les catholiques, euh, à ce moment-là, les catholiques royalistes, disons contre-révolutionnaires, ils vont rapidement comprendre qu'ils n'ont ils euh, ils, ils pas le choix, ils peuvent plus reculer. Et il faut continuer de se battre, parce qu'en face, on a les gardes nationaux, mais au bout d'un moment, les gardes nationaux, ce plus les gardes nationaux qu'on va avoir à combattre, ça va être des gendarmes et puis des troupes de ligne. Et le, on va chercher des chefs. Qui, quels sont les chefs qu'on peut prendre eh Il n'y a pas 50 possibilités, les, 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 les seules personnes qui peuvent commander, qui peuvent nous apprendre à, 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 nous, à utiliser des armes et avoir une stratégie, ce sont les nobles. Il se trouve que dans l'Ouest, la noblesse n'est pas une noblesse de cour, comme dans certaines régions de France qui est très éloignée de son peuple, mais des petits obreaux de campagne qui habitent souvent dans des, des châteaux mais très modestes ou des fermes au milieu de leurs paysans, et euh, ces petits nobles, Vont d'abord dire Mais écoutez, mais vous êtes complètement fous les paysans, vous n'allez pas faire la guerre euh, tout seul contre la, la France entière, c'est pas possible. Sauf que ces nobles viennent, commencent à se rendre compte qu'eux-mêmes ben, sont de plus en plus menacés par, par la Révolution. Et en 1793, ça commence à être vraiment du sérieux. Ils finissent par accepter de se mettre à la tête des Vendéens, donc bon, on a des chefs emblématiques, hein, comme Jacques Catlinot qui est un homme du peuple. Oui, est... c'était un, du... un homme du peuple, exactement, c'est un homme du peuple qui va devenir chef. Et puis il y a aussi hein, Henri de La Roche-Jacquelin, euh, Louis de La Roche-Jacquelin, les frères de La Roche-Jacquelin, ah euh, dont, dont votre collègue euh, écrivain, euh, Armand Bérard, a parlé dans ses livres. Alors Henri de La Roche-Jacquelin, lui, euh, bon, je vous passe les catlineaux les Charrettes, les Delbé, les Bonchamps, etc., les Marigny. Henri de La Roche-Jacquelin va démarrer un petit peu plus tard, avec son cousin Lescure, euh, d'où d'abord parce que dans le nord des Deux-Sèvres où, où ils sont installés, après avoir fui les événements de, de Paris, les paysans sont très éprouvés par ce qui s'est passé en août 1792. Donc ils hésitent un petit peu à se soulever de nouveau puisqu'ils ont été ça s'est fini en massacre. Et puis le tirage au sort de la, de la milice n'a pas lieu au mois de mars 1793 dans les Deux-Sèvres, mais le 7 avril 1793. Mais là, au tirage au sort, quand ils voient que aussi, bah, ils n'ont pas le choix, ils vont se soulever à nouveau, ils vont aller chercher Henri de la roche jacquelin et ça va être le début des, 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 des combats avec le 13 avril 1793, la prise, la prise des aubiers, etc. Alors vous allez vous demander sans doute, auditeurs, pourquoi euh, on les appelle les Vendéens, alors que bon, je, vous, je suis en train de vous parler des Deux-Sèvres, du département de Maine-et-Loire et du département de Loire-Atlantique. Eh bien, tout simplement parce que la première bataille, on va dire, la première bataille d'importance, Contre des troupes de ligne, contre le général républicain Marseille, a eu lieu le 19 mars 1793 dans le département de la Vendée, près de Chantonnay. Et à partir du moment où cette première grande bataille a eu lieu dans le département de la Vendée, pour le pouvoir à Paris, on a vu ça comme une guerre des Vendéens. Mais en fait, il n'y a que la moitié nord de, du département de la Vendée qui a été concernée, le, le quart nord-ouest des Deux-Sèvres, le sud du Maine-et-Loire et le sud de la Loire-Atlantique. Tout ce qui est au-dessus de la Loire, donc Bretagne, Maine, etc., les mouvements contre-révolutionnaires qui ont eu lieu dans ces régions, jusqu'en Normandie, porteront, eux, le nom de chouannerie. D'accord. Alors, pour euh, les auditeurs de RCF, euh, qui, euh, qui nous jugeraient peut-être de royalistes, euh, eh bien, nous allons donner la parole, donc, euh, cette fois-ci, à un chef de, de l'armée républicaine, et vous avez choisi, vous... Euh, Richard Lelueil, de vous pencher sur un chef républicain particulier, donc Louis Grignon. Mais pourquoi diable, si j'ose dire, avoir choisi ce général de colonne infernale dans votre biographie qui est quand même bien documentée Donc ce livre, c'est moi, Louis Grignon, moi Grignon, aux éditions Le lycée de Lin, Richard Lelueil. Alors, pour la bonne et simple raison, on va en refaire un petit peu d'histoire pendant deux minutes. Les guerres de Vendée vont en fait assez mal se terminer puisque les, les Vendéens, après avoir pris plusieurs villes, après avoir pris Saumur, après avoir pris Angers, euh, après avoir échoué à Nantes, vont subir, commencer à subir à la fin de l'été 1793 de plus en plus de revers. Et puis ça se terminera avec la bataille de Cholet le 17 octobre 1793. L'armée républicaine a commencé à incendier les villages Vendéens, les populations fuient et puis tout le monde reflue vers la Loire en tentant d'espérer de, rallier. Les contre-révolutionnaires de l'autre côté de la Loire, donc en Bretagne et dans le Maine, ceux qu'on appelle les Chouans. On essaye aussi d'avoir un appui des Anglais en Normandie avec un possible débarquement sur les côtes du côté de, de Granville et d'Avranches. Le souci, c'est que ce débarquement n'aura pas lieu. Euh, ce qui reste de l'armée vendéenne et puis des civils va refluer chez elle au bout de trois mois, après plus de 900 km à pied. En plein dans, dans les chemins de l'hiver, dans la pluie, dans, avec la maladie, euh, le, le manque de nourriture. Euh, il va y avoir l'épisode de la bataille du Mans qui va faire 10 000 morts, et puis euh, celle de, de Savenay, euh, près de Nantes, où le 23 décembre 1793, c'est l'écrasement total des derniers débris de, de l'armée catholique et royale, hein, de l'armée vendéenne. Et à ce moment-là, la guerre de Vendée aurait pu être terminée, mais on a un général républicain qui arrive des, des Pyrénées qui n'est pas natif des Pyrénées, hein, mais qui, qui à l'arrivée de l'armée des Pyrénées, qui s'appelle Louis-Marie Thurot de Garambouville, et qui lui euh, propose au gouvernement, au comité de salut public, un plan de douze colonnes pour incendier tous ceux qu'il appelle les brigands, c'est-à-dire les, les Vendéens, les Royalistes. Juste Richard Luluil, avant de parler de, donc, de cet épisode tragique, vous avez dit donc en fait que quand ça commence cette histoire-là, en réalité l'armée catholique royale est déjà... Euh, Bien amoché, sinon anéanti. Est-ce qu'avant ça, avant euh, les colonnes infernales, est-ce que la, les guerres de Vendée, le soulèvement des, des insurgés euh, vendéens, aurait pu se répandre euh, plus loin, euh, voire à toute la France Il aurait pu se répandre, oui et non, mais euh, il faut dire que les autres régions de France ont été plus sourdes, on va dire, au, euh, à la question révolutionnaire. Et puis. Euh, Citerai par exemple Auvergne où un petit peu ce qui se passait, euh, la Révolution, ça ne les a pas trop concernés. Et puis il euh, y a eu des, des tentatives de soulèvement, un petit peu, bon, 1794 en Bretagne évidemment, 1796 dans le Sancerrois, on a eu des insurrections en Lozère, en Ardèche, dans le Cantal, et puis dans, également dans le Midi de la France. Mais c, ça restait des, des, des insurrections anecdotiques et qui ont été écrasées dans le sang, mais aussitôt. La force de, 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 de l'armée catholique et royale, c'est d'avoir réussi à mobiliser un, un nombre de personnes tellement important qu'ils ont pu vraiment mener une guerre vraiment, euh, vraiment totale. J'en reviens pour euh, répondre à votre question, à laquelle je n'ai toujours pas répondu, sur Grignon, pourquoi Grignon. Sur ce général Turo, il va proposer par cinq fois un plan d'extermination avec douze colonnes euh, pour ratisser le, le pays vendéen. Euh, de même que euh, le général euh, Axo, de son côté, sous les ordres de Thuro, va faire la même chose dans l'autre sens. Hein, C'est un petit peu comme deux, deux balais qui se, qui se rencontrent pour coincer les Vendéens dans un étau. Cette politique ne se justifie pas. Il s'agit simplement d'une vengeance des révolutionnaires contre, euh, contre une région que ben, qu'on a appris à détester parce qu'elle n'était pas, pas révolutionnaire. Quoi. Et euh, à tel point que même le nom du département de la Vendée va changer, on va l'appeler ben, pendant un certain temps le département Vengé. Voilà, ça sera un décret officiel. Et donc début 1794, Thuro pr propose son plan, on hésite à lui répondre, et au bout de la 5e courrier, c'est Lazare Carnot lui-même, membre du comité de salut public, qui valide son plan, qui lui dit, mais ton devoir extermine les brigands jusqu'au dernier. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Robespierre, ce n'est pas... C'est bien Lazare Carnot dont on fait un grand héros aujourd'hui de la République. Et ensuite, c'est euh, sous ses ordres de Thurot, il y aura ce général Grignon qui va, euh, qui va euh, dévaster toute une région qui m'est chère puisque c'est la région dans laquelle je vis. C'est pour ça que j'ai fait ce livre sur lui. Voilà. On, a, on va écouter une première pause musicale. Vous avez choisi euh, contre courant d'ailleurs. Euh, enfin, on passe souvent les fameuses chansons euh, chouan mais là, vous avez choisi You Too. Avec le morceau « I still haven't found what I'm looking for ». Alors la question c'est, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, Richard Leloy eh ben Justement, c'est le titre de la chanson « Je n'ai pas trouvé ce que je cherche ». Eh bien, euh, c'est une quête permanente, l'étude de l'histoire c'est une quête permanente, parce que euh, quelquefois on est assuré d'avoir des convictions sur un événement, sur, euh, sur une, un personnage de l'histoire, et puis finalement quand on, quand on gratte un peu le vernis, quand on fouille les archives, on se rend compte que les choses sont bien différentes souvent de ce qu'on a pu lire ou euh, entendre dire, en fait on n'a jamais trouvé totalement ce qu'on cherche, j'ai essayé de m'en approcher avec mon personnage sur Grignon. Chemin de traverse sur RCF. Deuxième partie de cette émission avec Richard Lelueil pour parler de son livre Moi Grignon. Euh, Richard Lelueil, on parle de, ici de, de Louis Grignon. Ça n'a rien à voir avec Louis-Marie Grignon de Montfort. Ah non, pas du tout. Louis-Marie Grignon de Montfort était euh, est un saint, hein, euh, qui est décédé en 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre en, en Vendée. Euh, là, euh, le, notre Grignon, celui que j'ai étudié, c'est un homonyme d'un petit peu, même si l'orthographe est différente. Et ce Grignon-là, lui, euh, c'est un criminel de guerre. Et euh, ça, ça serait plutôt, à la limite, le sein de, de la République, même si la République n'est pas très encline à, à parler de, de ces personnages qui ont fait cette répression épouvantable en Vendée. On préfère minimiser leur rôle. Vous avez parlé avant la pause, donc Richard Luy, d'un certain Lazare Carnot dont on voit d'ailleurs le portrait dans votre livre. Il a l'air plutôt d'ailleurs sympathique ce monsieur Avenant. Alors la famille Carnot, c'est une famille de scientifiques, c'est une famille de politiciens. On a connu, bon, on en parlait, Sadi Carnot, etc. Lazare Carnot, à l'origine, c'est un physicien, donc c'est un scientifique, hein, c'est pas un abruti. Et euh, il va être aussi général dans l'armée révolutionnaire et membre du comité de salut public. Le, le comité de salut public, c'est le gouvernement révolutionnaire qui gouverne avec la convention qui est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et Lazare Carnot, il est aux côtés de, de de gens comme Robespierre, de Collot d'Herbois, etc. et de Bertrand Barrère de Vieuxac. Bertrand Barrère de Vieuxac qui, dès 1793, dans deux rapports datés des 1er août et des 1er octobre 1793, Ordonnait, disons, d'exterminer de, euh, la population vendéenne. Le problème, c'est qu'ils ne pouvait pas le faire parce que, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, la population vendéenne, à ce moment-là, a essayé de, de rejoindre les Chouans en Bretagne. Donc il est très difficile, on n'a rien à combattre. On peut aller mettre le feu en Vendée, mais on n'aura pas de, de gens à combattre puisqu'ils sont partis. On va attendre qu'ils reviennent. Et Lazare Carnot, c'est Lazare Carnot qui signe l'ordre au général Thurot, l'acceptation de son plan d'extermination et qui va, euh, qui va dire, voilà, vas-y, tu as la carte blanche pour faire tout ce que tu veux en Vendée du moment que tu nous débarrasses de ces brigands, entre guillemets, puisque les Vendéens étaient dénommés des brigands. Alors d'où vient ce, ce mot colonne infernale qui sont donc au nombre de douze Est-ce que c'est un nom qu'on a donné après coup, Richard Léveille Alors déjà les colonnes infernales, on, on parle de douze colonnes infernales, d'ailleurs Grignon dans son mémoire parle bien de douze, mais en fait dans les faits elles ne sont que dix, parce que la colonne numéro 1 qui a arrosé, si je puis dire, la gâtine dans les Deux-Sèvres euh, n'était formée que d'une que colonne unique. Et celle qui a, qui a œuvré sur les bords de Loire, que d'une colonne unique également. Les autres sont toutes doublées, à chaque fois elles sont en double, les autres colonnes. Donc en fait, on est à 10 colonnes. Euh, on les appelle colonnes infernales. Au départ, en fait, c'est un petit peu l'historiographie euh, vendéenne qui les a nommées colonnes infernales. Mais euh, au départ, le vrai terme qui est pour les armées républicaines, c'est colonnes agissantes. Ces colonnes agissantes. Sauf qu'elles sont à commettre tellement d'exactions que les Républicains eux-mêmes vont commencer à les dénommer colonnes infernales, puisque ces colonnes s'attaquent non seulement aux populations catholiques et euh, contre-révolutionnaires, qu'aux patriotes, qu'aux gens qui sont, qui sont encore fidèles à la République sur le territoire vendéen. Le, le souci, c'est qu'en s'attaquant à des gens qui sont au mieux neutres de position, ou bien euh, carrément euh, républicains, ces gens-là vont ne, ne, vont ne plus être en sûreté puisqu'ils vont ils menacent menace de, de les tuer, de violer leurs femmes, d'incendier leurs maisons, et c'est d'ailleurs même ce qui se passe la plupart du temps. Et ces gens-là ne vont pas devenir royalistes par conviction, mais on va aller, vont aller se battre, se défendre aux côtés des Vendéens qui n'ont plus l'armée, mais qui vont essayer de se défendre par eux-mêmes avec ce qu'ils ont et sans grande organisation. Vous écrivez que la bataille de Savenay sonne le glas de l'armée royale et catholique. Pourquoi Oui, donc pourquoi c'est la fin de l'armée catholique et royale à Savenay Puisque, vous savez, quand on a euh, le 18 octobre 1793, quasiment 80 000 personnes, combattants et non combattants, et civils confondus, qui essayent de rejoindre les Chouans dans le Maine et en Normandie, et qu'après moult batailles perdues, 15, 10 à 15 000 morts au Mans, et 12 000 à Savenay, et puis la maladie, l'épuisement, etc. Il n'y a plus Il plus d'armée catholique et royale. Et il rentrera de ces 80 000 personnes que 4 000 survivants, et quelquefois des, des, des mois, voire des années plus tard, parce que la Loire est gardée, parce qu'il y a des chaloupes canonnières, parce que évidemment la, la République ne, essaye de, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas rentrer chez eux. Et euh, la, guerre, la guerre aurait pu s'arrêter là. Il y aurait certainement eu encore quelques échauffourées, mais. La République aurait pu faire l'économie de, de ce massacre euh, et euh, attendre que les choses se calment tranquillement. Les choses n'auraient certainement pas manqué de se calmer. Les gens seraient rentrés tranquillement chez eux. Je ne dis pas qu'on aurait fait deux des républicains, bien au contraire. Mais ils auraient pu cesser de combattre et euh, ça aurait évité euh, du sang, euh, y compris pour l'armée républicaine, parce que ça a coûté très cher à la République aussi ce conflit. Thuro, c'est l'un des chefs bien connus. En 15 jours, cependant, il estime, en février 1794, qu'il va, il va traverser tout, tout le territoire. Et pourtant, qu'il est un grand pays, il veut en finir en 15 jours. Alors, est-ce que c'est vraiment. Euh, il croit vraiment qu'il qu qu faut en finir, ou est-ce que c'est déjà fini Et si c'est le cas, qui est-ce qu'il croise sur son chemin Alors, Turo, il a considéré qu'on pouvait le terminer en 15 jours, parce que déjà, il a une, de très mauvaises connaissances géographiques. Et puis, il n'a pas réalisé non plus qu'on est. son plan, il démarre en janvier. Et en janvier, eh bien, pour ceux qui connaissent un petit peu le climat du bocage vendéen en janvier, il pleut toujours. Donc mettre le feu, dans, comme il avait prévu, mettre le feu dans les maisons et mettre le feu dans les forêts, pour pas que les vendéens se cachent dans les forêts, c'est très compliqué de faire ça au mois de janvier, quand il pleut tous les jours et toutes les nuits. Euh, donc c'était pas possible déjà en 15 jours. Et puis il, il pensait, il savait lui-même qu'il n'y avait plus grand monde, que beaucoup avaient péri euh, au-delà de la Loire. Et il se disait, ça va être simple, on va tout massacrer ce qui reste, on va tout incendier, et puis c'est fini, on va faire un rapport à la Convention en disant qu'on a réussi, qu'il n'y a plus de guerre de Vendée, et puis moi je vais avoir des décorations, etc. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque la haine amène la haine, ça c'est dans toutes les guerres civiles la même chose, et à partir du moment où les quelques Vendéens qui sont encore là... Se voient massacrés comme ça, euh, pillés, leurs femmes violées, ça va jusqu'aux enfants crucifiés sur les portes des granges, euh, eh bien, ils vont reprendre les armes, même s'ils ont, ils ont plus d'espoir, ils vont reprendre les armes pour se défendre, pour se venger. Et euh, comme je vous disais, même des gens qui n'avaient pas d'opinion royaliste particulière ou même catholique particulière, eh bien, vont se trouver à reprendre les armes et rejoindre euh, les restes des, des bandes vendéennes uniquement dans un but de défense. Et aussi, il faut bien le dire, de vengeance, parce que même si au départ, les guerres de Vendée, il y a eu des pardons, etc., les Vendéens étaient des gens très religieux qui pardonnaient à leurs ennemis, quand on, on tue votre femme, vos enfants et qu'on brûle votre maison, le pardon est bien est beaucoup, devient beaucoup plus compliqué à, à donner. Richard Lelweil, vous m'avez dit en préparant cette émission que la légende au sujet du grillon est terrible, c'est vrai, par les atrocités commises, mais l'histoire réelle, elle est bien pire. Sur quel document vous êtes-vous appuyé pour rédiger ce livre, Richard Lelueil Alors les choses sont simples. En 1992, Michel Châtry, celui qui est mon préfacier, qui est l'ancien ancien président du Souvenir Vendéen, avait publié le Mémoire du Général Tureau, donc celui qui est le supérieur de Grignon, celui qui a reçu les ordres de Carnot. Euh, son mémoire qui est publié en 1795 où il se justifie en disant, de bah, toute façon, avec les Vendéens, on n'avait pas trop le choix que de massacrer tout le monde, etc. Un an auparavant, Louis Grignon, donc un de ses subordonnés, avait euh, produit un mémoire lui aussi, alors qu'il est emprisonné après la chute d'Orbespierre, pour ses exactions, non pas commises sur les Vendéens, mais commises sur les populations républicaines. C'est bien pour ça qu'on l'arrête. Et euh, Grignon va, va tenter de se justifier, un an avant son supérieur, et ce mémoire, il dormait aux archives nationales et personne jusqu'ici ne l'avait exploité. Quelquefois, des historiens en tiraient quelques passages, mais euh, il, pas, il, il n'avait jamais été étudié. Alors, moi, le, le travail que j'ai fait, c'est étudier ce mémoire, le reproduire et le commenter. Ça donne un excellent euh, résultat hein, euh, dans ce livre, euh, Moi Grignon. C'est d'ailleurs une, une biographie, en tout cas, à partir des documents que vous avez glanés. Richard Lelueil, c'est paru en 2020, en août 2020, aux éditions. Euh, le lisse et le lin. Vous dites aussi qu'il y a eu plusieurs soulèvements vendéens et vous, vous écrivez aussi, Richard Leloy, que Lazare Hoche a su désamorcer la bombe vendéenne. Comment a-t-il fait Lazare Hoche, en 1796, il comprend que si on veut arrêter cette guerre civile, il y a, disons, un moyen principal de, de, de l'arrêter, c'est déjà de d'accorder la liberté religieuse aux Vendéens, c'est-à-dire ne plus les embêter avec des histoires de constitution civile du clergé, leur laisser les, les prêtres qu'ils avaient auparavant. Il a commencé à comprendre ça, mais comment le faire comprendre à les révolutionnaires à Paris C'est très compliqué. Plus tard Napoléon Bonaparte le fera en 1801 avec le, le Concordat, mais il a aussi compris qu'à un moment donné, le peuple est à bout de souffle. Qu'il y a encore des quelques chefs vendéens euh, éparpillés qui essaient, de, comme Stofflet, comme Charette, comme Marigny ou comme Sapinot de la ils essayent encore de mobiliser quelques bandes de vendéens pour continuer une guerre qui, de toute façon, semble perdue d'avance. Et Lazare Hoche, il a cette politique de dire bah, écoutez, maintenant, on va accorder l'amnistie. Parce qu'avant, il y a eu des, des pourparlers de paix, mais ça n'a pas fonctionné. Les, les, les républicains ont été incapables de, de, tenir, de tenir leur traité, leur propre traité. Et Lazare Hoche dit, écoutez, maintenant on va ficher la paix au peuple, et si on doit arrêter quelqu'un, les emprisonner ou les guillotiner, ce sera que les chefs, que les meneurs, que les meneurs du mouvement. Est-ce qu'on peut parler d'une coupure entre l'élite et le peuple, Richard Lulueil Bien évidemment, bien évidemment, et cette coupure se manifeste de plusieurs manières. Je vous ai parlé tout à l'heure des raisons de la guerre de Vendée, donc la question religieuse. Il y a la question, euh, la question de, bah, de l'inéquité face au, à la bourgeoisie, par exemple des accueils de, de biens nationaux. Il y a la question de la levée des 300 000 hommes où on envoie le, le peuple à la guerre et soi-même on s'en dispense. Mais il y a aussi bien d'autres raisons. Il y a les raisons fiscales. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des, des territoires, on a des impôts qui ont été multipliés par 6 ou 7. Parce que la, la République a besoin d'argent. On se retrouve des, des journaliers, des gens qui étaient pauvres, qui travaillaient à la journée comme paysans, comme ouvriers agricoles, on dirait aujourd'hui, qui sous Louis XVI n'étaient pas embêtés par des questions d'impôts, se retrouvent à payer des impôts avec un régime qui est censé mieux les défendre. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis il y a une coupure surtout entre la ville et la campagne. La ville a besoin de la campagne pour se nourrir, mais en même temps elle méprise. Les citadins méprisent les paysans, ils sont crottés, ils sont ignares, ils ne savent pas lire. Et tout ça, ça, ça va provoquer des tensions, c'est des tensions énormes. Et il y a une déconnexion de l'élite, et notamment entre les, avec les grandes villes, et plus particulièrement à Paris. À Paris, on n'a pas compris comment ça fonctionnait le peuple français, et encore moins dans l'Ouest. Eh bien, merci Richard Lelueil pour votre, cette première partie autour de votre livre Moi Grignon, paru en 2020, en août 2020, aux éditions Le Lys et le Lin. Merci à Grégoire, Joanne, à la Technique, Françoise Morel et aux autres radios RCF Bretonne. A la semaine prochaine Richard Lelueil, au revoir. À la semaine prochaine, avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette deuxième partie de Chemin de Traverse, ici avec Richard Leluhaï. Richard Leluhaï, bonjour. Oui, bonjour Ronan. Nous sommes ici pour parler de votre livre, Moi Grignon, euh, paru aux éditions Le Lycée et le Lin en août 2020. Richard Lulweil, je rappelle que vous êtes né en 1969, vous vous passionnez très tôt pour l'histoire, dès l'âge de vos 20 ans, vous êtes auteur de plusieurs articles sur les guerres de Vendée et depuis les années 2000 et pour diverses revues associatives. Vous animez également depuis 2010 ce qui est peu à peu devenu un blog de référence sur le sujet. Euh, chemin Secret, je crois qu'il s'appelle Oui, c'est Chemin Secret, oui, qui est d'ailleurs en, en totale refonte actuellement parce qu'il va, va changer de plateforme, il va passer sur une plateforme professionnelle. En raison des, des encarts publicitaires que, que j'ai sur la plateforme actuelle et qui ne me plaisent pas du tout. Vous avez publié votre premier roman en novembre 2018, Le Souterrain au Trésor, un mystère des guerres de Vendée, la quête d'un trésor oublié au cœur du pays cérézien. Euh, et le deuxième tome, euh, Le Souterrain au Trésor, Le Secret du Château du Puy -e Gaillard, paraît en février 2020. Grande joie de vous retrouver pour cette deuxième partie. Et la joie se partage sur RCF, comme vous le savez, c'est le slogan de la radio. Euh, et là, cette partie est intitulée Les Chouans défendent leur foi. L'histoire de France, particulièrement celle de la Révolution, peut-être-t-elle peut être étudiée, sinon de façon neutre, du moins de façon moins passionnée euh, Ou est-ce qu'on peut au contraire voir des courants dans, dans les historiens euh, Richard Deleuil, professionnels ou amateurs d'ailleurs alors, évidemment, on voit des, dans, des, des, pardon. On voit des, des courants chez les historiens, et euh, en particulier, euh, bon, aujourd'hui encore, mais euh, en particulier au lendemain des guerres de Vendée, on a eu deux courants qui se sont posés. On a eu bon, le courant républicain qui, bien entendu, dit qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de massacre. La Vendée, c'était anecdotique, c'était jamais que des paysans ignorants. Bon, voilà, ils se sont fait massacrer, mais c'était bien fait pour eux. Et puis, bah, les historiographes plutôt de sensibilité un petit peu royaliste qui vont dire bah, écoutez, c'est des héros, c'est des saints, etc. Euh, moi, ce que j'essaye de la même manière de travailler, c'est essayer de m'appuyer sur les archives, sur la documentation présente aussi bien aux archives départementales, nationales, militaires de Vincennes et même sur des fonds, même sur des fonds privés il euh, n'y a que comme ça qu'on peut arriver à essayer de, de démêler les échevaux entre la, la vérité et les légendes. Vous étiez. Euh, vous avez étudié l'histoire à l'école, comme tout le monde, et particulièrement au lycée, donc vous avez 52 ans. Donc étiez-vous à l'époque euh, du lycée, donc euh, dans, les, dans les années euh, en terminale, en 88 ou euh, 87, si, si mes calculs sont bons, au courant de cette contre-histoire de la, de la Révolution française cette, euh, Parce que la Révolution française nous est enseignée de façon, euh, comment dire, euh, euh, en termes élogieux. Alors, moi j'étais dans, dans l'enseignement en public et hein, l'éducation nationale, donc on nous faisait l'éloge effectivement de, de la Révolution. En revanche, euh, moi j'avais la, la chance d'avoir une famille, en particulier un père qui était passionné par l'histoire, et très tôt j'ai vite compris que, euh, ce qui s'était passé. Après. Euh, Petit à petit, disons à l'adolescence, bon, euh, ça m'intéressait moyennement. Après, c'est à l'âge adulte que je vraiment, comme on dit, mis les mains dans le cambouis, et que je me suis passionné, que j'ai dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, bon, il faut lire des livres, mais il faut aussi se documenter par soi-même, et c'est ça le plus important. Il faut aller voir les archives. Vous êtes du pays, donc vous l'avez dit, Richard Le de la Vendée. Est-ce que vous avez réussi à voir votre ennemi, si j'ose dire Louis Grignon et tous les autres, de façon neutre? Et euh, est-ce que vous lui avez finalement, est-ce que vous leur avez pardonné à tous ces, tous ces généraux de, de colonne infernale qui ont quand même décimé pas mal de monde Alors, est-ce que je lui ai pardonné euh, Pardonner, moi, je ne suis pas moi la victime. Hein, euh, C'était à ses victimes, c'est ces victimes qui auraient pu lui pardonner. Moi, je suis là qu'un qu observateur. Ensuite, c'est à Dieu de, de, de pardonner. Bon, euh, j'ose espérer que 220 ans après, euh, il, est, il est en paix euh, quelque part euh, dans, dans, dans l'autre monde. Mais euh, moi, c'est ma vision, c'est la vision, essayer de comprendre qui était cet homme et euh, ce qu'il a fait, dans quoi il s'est laissé entraîner par, euh, par l'idéologie révolutionnaire, et aussi euh, quelles étaient ses attentes personnelles qui l'ont poussé à, com à commettre ces, ces, ces crimes. Je vous rappelle qu'il s'agit non seulement de tout incendier, mais de tout tuer hommes, femmes, enfants, vieillards. Bébé à la mamelle, euh, on crucifie des enfants porte des granges, on, on va jeter des, des femmes dans des, dans des fours à pain. Euh, alors évidemment, c'est pas tout à fait ce que la, la légende dit, quelquefois on parle de 20 personnes dans un four à pain. Non, ça c'est l'historiographie vendéenne ensuite qui a, qui a fait de la surenchère. Mais il y a des faits qui sont quand même, il y a des faits qui sont quand même avérés et vérifiables. Même s'ils ont quelquefois été complètement minimisés par le camp républicain et des fois décuplés aussi par le, le camp des historiens favorables, disons, royalistes. Parce que, euh, évidemment, alors, le but, essayer de, de, de. Non pas de faire une compilation de tout ça, mais de voir un petit peu ce qui est vrai. Et il n'y a qu'une seule solution pour voir ce qui est vrai, c'est aller aux sources primaires, c'est-à-dire les archives. On sait que les Vendéens, malgré quelques exactions contre les républicains, qu'on appelait les Bleus, D'ailleurs c'est étrange parce que pour moi, et peut-être pour d'autres auditeurs, le sang bleu c'est plutôt lié à la noblesse, non bah, Le sang bleu était lié à la noblesse, on m'appelait le sang bleu parce que les veines apparaissaient très bleues sur les mains des nobles parce qu'ils avaient les mains très blanches, ils avaient les mains moins bronzées que les paysans. Mais là ça n'a rien à voir, les, les bleus sont appelés bleus parce qu'ils ils portent un uniforme qui est bleu, qui est bleu et qui a du, qui a du blanc, donc pour les Vendéens ils les appellent les bleus. Alors, on va appeler les soldats républicains les bleus, et puis on va, les, on va appeler d'une manière générale les, euh, les, euh, les, les républicains civils, on va l'appeler les patos, c'est-à-dire les patriotes, en termes péjoratifs, pato. Et les, les républicains vont appeler les Vendéens des brigands, parce que pour eux, ce sont des brigands qui combattent contre les, les progrès de la République. Sauf que ce ne sont pas des brigands, c'est le vrai peuple qui combat. En tout cas, quand les brigands euh, capturaient des, des bleus, et, euh, bien souvent, euh, euh, ils les relâchaient et ne les exécutaient pas. Enfin, c'est arrivé, bien sûr, il y a eu quelques, comme ça quelques cas, mais en grande majorité, il y avait quand même une clémence de la part des, des brigands, euh, comme on les appelait, contre, contre les bleus. Pourquoi, en fait Alors, dans les premiers temps de la guerre, on a... Ben, le général Bonchamp, euh, le, le général Delbé, par exemple, a, a pardonné à à 500 soldats républicains incendiaires, donc au mois d'avril 1793. Au mois d'octobre 1793, au moment du passage de la Loire, c'est le général Bonchamp qui va faire de même avec 5000 prisonniers. Au, au soir des batailles gagnées par les Vendéens, on relâche les républicains après les avoir tendus, et en leur, les avoir tendus pour les reconnaître, et pour, on, leur, on leur demande de prêter serment de ne pas revenir combattre contre, contre eux. Mais évidemment, ils reviennent et euh, mais après le passage des colonnes infernales, et bien entendu de notre ami Grignon et de son supérieur Turo et de tous les autres, hein, Cordelier, Cruzat, Turo, du Duquesnois, Moulin, euh, Prévignon, eh bien, vous devez bien comprendre que les pardons n'ont plus le, le même impact, qu'on a moins envie de, de pardonner à des gens qui, de toute façon, euh, si vous les laissez faire, ils vont revenir demain et ils vont recommencer. En 1798-1799, donc nouveau soulèvement des Vendéens, mais cette fois ce sont les paysans et c'est à cause des impôts. Mais dites donc Richard Luey. je vous ai appelé Richard Luey, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, Richard Luey, euh, la révolution n'avait-elle pas supprimé la dîme, la gabelle et, et, et tous les autres impôts et, Alors donc ce n'est pas ce qu'on disait la révolution finalement bah, Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Alors bon, la, la révolte de 99-1800 est liée aussi encore à la persécution religieuse qui va recommencer et effectivement à, à des problèmes aussi fiscaux, puisque j'en parle, parle dans mon livre. Mais euh, la dîme, la gabelle, oui, effectivement, on a supprimé ces impôts qui, qui dataient d'anciens régimes, mais on en a créé d'autres, et puis qui ne sont, sont pas forcément très justes, comme j'expliquais je, dans l'émission précédente, où euh, des, des simples paysans qui travaillaient à la journée, euh, qu'on qu considérerait comme des intérimaires aujourd'hui, qui ne payaient pas d'impôts parce que leur revenu était trop faible, sous le roi se trouvent en payer aujourd'hui alors qu'on leur avait promis eh bien euh, d'être plus libres plus, euh, on leur avait promis l'égalité on leur avait promis et euh, tout ça ça ne correspond pas aux attentes en fait ils ont l'impression que la liberté l'égalité et la fraternité euh, ben, en fait ça concerne surtout les révolutionnaires eux-mêmes et une certaine bourgeoisie qui petit à petit a repris la place des nobles et qui se montrent bien plus intraitables et bien plus désagréables que les nobles eux-mêmes. Vous connaissez certainement le film Le Guépard, avec le conte interprété par Bertrand Caster, qui disait, lorsque les républicains, les révolutionnaires arrivaient, euh, ah oui, il faut que ça change pour que rien ne change finalement. Oui, c'est un peu ça, mais euh, après, il on on, y a tout le, toute la mise en scène révolutionnaire. Pour, là aussi, c'est pour votre bien, c'est... Vous ne comprenez pas, mais si vous vous révoltez contre nous, mais vous vous révoltez contre la liberté, vous êtes complètement fous, c'est n'importe quoi, vous êtes des obscurantistes. Sauf que le, le paysan, quand je dis le paysan, ce n'est pas forcément l'agriculteur, hein, c'est la personne qui habite le pays. Ça peut être un, un agriculteur, mais ça peut être un sabotier, ça peut être, ça peut être un maçon. Ben eux, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ont dans leur assiette. En réalité, donc la guerre de Vendée est née non pas du côté de la noblesse, mais du côté paysan. Le cliché est pourtant souvent celui-ci. En gros, excusez-moi le terme, salaud de noble, vous l'avez bien mérité cette guillotine. La guerre de Vendée, c'est le peuple qui va chercher les nobles en coup de main pour que les nobles leur apprennent à se défendre. Parce que les nobles sont des, des militaires de carrière. Mais c'est un authentique soulèvement populaire. C'est ce qui gêne d'ailleurs dans l'historiographie républicaine. C'est pour ça qu'on va, on va traiter les, les Vendéens et d'ailleurs les Chouans euh, de l'autre côté de la Loire de la même manière d'ignards, de bandits, de, 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 de gens euh, qui sont à la solde des nobles, etc. Non, c'est le peuple. c'est le peuple. D'ailleurs, Gracchus Babeuf, politicien d'extrême-gauche sous la Révolution, va analyser les guerres de Vendée en disant c'est un populicide. Un populicide, c'est quoi C'est le massacre du peuple, c'est le pire qu'on puisse faire. Et pourtant, lui qui était euh, d'un bord euh, ultra-révolutionnaire, avait compris, il en, a même, il en a même fait un mémoire en disant, c'est un populicide. Richard Luel est-ce qu'on va écouter un morceau musical, histoire de détendre l'atmosphère, avec ces sujets dramatiques de, de la Révolution et des guerres vendéennes Allez, direction le Sud, on est déjà un peu au Sud de la France, ici en Vendée, on est bien là, hein, euh, à Chiré-en-Montreuil, pas très loin, on va écouter une chanson que vous avez choisie, Nino Ferrer, Sud de la Loire, on dirait le Sud, non ah c'est une chanson que j'aime beaucoup depuis qu'elle est sortie en 1974, c'est une chanson que j'aime beaucoup depuis que, que je suis enfant parce que elle, elle, évoque, elle évoque la beauté de l'été, elle évoque la, la beauté de la nature. Et puis elle dit euh, un petit peu, voilà, elle se pose la question, un jour il faudra qu'il y ait la guerre. Est-ce que Nino Ferrer euh, à quoi pensait-il quand il a, quand il chantait cette chanson C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Tant dure longtemps, et la vie sûrement. Une tortue des poissons rouges, il ne manque rien. Chemin de traverse sur RCF. Retour pour Chemin de traverse ici euh, en Vendée avec euh, Richard Lueil au sujet de son livre Moins Grignon paru aux éditions Le Lys et le Lin en août 2020. On, euh, on vient d'écouter Nino Ferrer, euh, Le Sud. Richard Lueil, les vrais nobles vivaient finalement sur leur terre avec les paysans euh, qu'ils aimaient bien. La noblesse de cour euh, ne représentait, je crois, que 5% euh, en gros et elle, par contre, c'est vrai, elle était corrompue, non? Elle était corrompue, euh, je ne dirais pas forcément qu'elle était corrompue, mais disons qu'elle était très éloignée, beaucoup plus éloignée des intérêts populaires. Euh, dans l'Ouest en particulier, donc en Poitou, en Anjou et euh, dans la, la Bretagne qui jouxte bon, l'actuelle Vendée, le, on a des petits hobereaux. Par exemple le général Delbey, le futur général vendéen, il vit dans un endroit qui, qui s'appelle La Loge, à Beaupro, en, en Anjou, qui n'est pas du tout un château, c'est une ferme, il vit au milieu des poules et des cochons. Euh, et le général euh, de l'artillerie vendéenne qui sera par, d'ailleurs participera ensuite à, la, à combattre les colonnes infernales le général gaspard de bernard de marigny euh, il a un nom pompeux comme ça c'est un noble c'est un cousin de, du général lescure donc euh, par conséquent de la future marquise de la roche jacquelin eh bien c'est quelqu'un qui vit euh, au contact des paysans euh, les anecdotes fourmillent à son, à son égard sur le fait qu'il aime bien boire un bon coup de vin rouge avec les paysans et euh, qu'il ne rechigne pas euh, à, à être avec eux. Et c'est ça, c'est ça, cette proximité qui va faire que les paysans, quand ils, vont, quand ils vont rechercher une organisation, un encadrement pour se battre, ils vont aller chercher les nobles, ils vont dire bah, on va aller chercher nos messieurs, mais bah, monsieur le comte. Il faut venir avec nous. Euh, monsieur le comte, ben non, vous êtes complètement fou, vous n'allez pas vous battre contre la France entière. Mais si, mais si, on veut se battre pour nos prêtres, on veut se battre pour nos libertés. Et puis le noble, y réfléchit, et puis il se dit, mais après tout, moi aussi, je suis menacé. Euh, pourquoi ne pas y aller avec eux De toute façon, qu'est-ce que je risque C'est ça, ou c'est un risque de guillotine à plus ou moins long terme Donc, euh, tout ce petit monde, et vous savez, dans, au milieu des combats, au milieu des horreurs, euh, souvent... Euh, qui est noble, qui est paysan, on n'a plus, plus trop ce souci-là, on a plutôt le, sou, le souci de sa survie. C'est un peu la convergence des luttes avant l'heure, quoi. C'est la convergence des luttes avant l'heure, et c'est est, est quelque chose qui est, en fait, qui, est, qui est certainement bien plus rassembleur que, que la Révolution en elle-même. En fait, la Vendée a réussi, en combattant la Révolution, ce dont, ce dont les philosophes de la Révolution avaient rêvé quelque part. Richard Luey, euh, vous l'avez dit, donc en fait, la, la guerre de Vendée, les guerres de, les guerres de Vendée, parce qu'il y en a plusieurs, c'est en fait en réalité d'abord euh, une guerre pour la sauvegarde de la religion populaire. C'est la sauvegarde de la religion, c'est la sauvegarde des traditions ancestrales, c'est la sauvegarde d'une culture, c'est la sauvegarde des libertés fondamentales, c'est-à-dire que les paysans, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie d'être embêtés par des choses qui viennent de Paris. L'ancien régime leur fichait à peu près la paix. Ils ne ils voient pas pourquoi, euh, tout d'un coup, il y a des nouvelles lois, pour, pourquoi on les oblige à faire ceci, et pourquoi on les, on les oblige à partir à la guerre pour un régime qu'ils qui, qui, qu n'aiment qu pas. Et euh, bah, ils ont ils la réponse, c'est-à-dire, bah, vous n'étiez pas obligé de, de, de déclarer la guerre à toute l'Europe. Si, vous, si vous, vous avez déclaré la guerre, allez-vous battre vous-même euh, Richard Luey, euh, dans votre livre, euh, donc moi Grignon, paru aux éditions Le Lys et Le Lin, euh, vous êtes penché donc sur le cas de, donc, ce, de, ce, de cet homme. Euh, Lui-même en fait était, euh, à, vous avez dit qu'il a, qu a obéi aux ordres en fait en fin de compte. Est-ce qu'il éprouvait des regrets Non, absolument pas, absolument pas, parce que et, il a. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu bourgeois là encore. Il déteste les paysans, il les prend pour des crotés, des, 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 des ignares, des incultes. Euh, il déteste aussi les nobles parce qu'il est jalouse, parce qu'il voudrait bien avoir leur terre, il voudrait bien avoir leurs revenus. Et tout au long du livre, ça transparaît dans son mémoire, il est sans arrêt obsédé par la question d'argent. Il voit des gens qui ont des rentes de 100 000 livres, euh, qui sont contre-révolutionnaires. Bon, voilà, donc, euh, inécessairement, il faut les tuer, il faut les envoyer à la guillotine. Bon. Et euh, il n'a absolument aucun regret de ce qu'il a fait, il s'appuie sur les ordres que Thurot lui a demandé, et il dit même lui-même, écoutez, s'il si y, y a des reproches à faire sur ce que, que j'ai fait, et sur ce que mes collègues des autres colonnes ont fait, c'est pas à moi qu'il faut les adresser, il adresser-les au comité de salut public, adresser-les au législateur, à la convention, qui, dans sa grande sagesse, n'a pas trouvé d'autre solution que ce plan dont j'ai exécuté les ordres. Donc finalement, il, se, il ne se remet pas tellement en question, euh, ce, ce Louis Grignon, chef d'une euh, colonne infernale Non, il ne se remet pas en question, il se plaint beaucoup. Il se plaint beaucoup, et dans la correspondance qu'on trouve euh, après les guerres de Vendée, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas, même au moment de la restauration, euh, d'aller euh, euh, essayer de tirer un peu les bottes de, de Louis XVIII pour obtenir des postes, pour obtenir des charges. Parce que le vent a tourné, à un moment donné, bon, euh, les révolutionnaires n'ont plus la cote. Donc il va essayer d'un petit peu tourner sa girouette. Mais ça reste fondamentalement ça reste fondamentalement un révolutionnaire et un criminel de guerre qui sait très bien parfaitement ce qu'il a fait, la, la, la lourdeur de ses actes. Mais jamais il va se remettre en question. Vous aviez parlé d'un blog, je crois, que, que vous tenez, qui va se professionnaliser. Il y a aussi votre femme, que vous remerciez dans votre livre, Nadine aussi, qui. Oui. Qui d'ailleurs un bloc qui a un grand succès, dont vous êtes presque jaloux, je crois. On oh, dire que je suis jaloux, non, mais elle a beaucoup plus de fréquentation que moi. Bon, après, moi, euh, elle y passe plus de temps que sur le mien. Son blog s'intitule La maraîchine normande. Bon, pourquoi normande Eh bien, parce qu'elle est originaire de Normandie, elle est originaire de Rouen. Donc, euh, elle se passionne pour les gardes de Vendée, mais elle se passionne aussi pour la chouannerie normande et toutes les chouanneries. La chouannerie bretonne, la chouannerie du Maine, la chouannerie, les, les différentes chouanneries qui y a pu y avoir dans le sud-est de la France, etc. C'est une excellente collaboration avec elle. Je la remercie parce que sur beaucoup de points, euh, notamment généalogiques, euh, elle m'a apporté un éclairage avec des heures et des heures de recherche. Vous savez, c'est difficile de, de faire un livre, de faire une étude historique sérieuse avec tous les détails, sans essayer de, sans, en essayant d'être le plus exhaustif possible. Et elle m'a été d un, d un, vraiment d'un précieux secours. C'est un livre qui a été fait, euh, on, je dirais, de, de jour comme de nuit, en collaboration avec nous deux, en échangeant des dossiers dans le même bureau. Combien de temps il faut pour faire un, un livre comme, comme celui-ci, Moi Grignon, paru aux éditions Le Lycée Le Lin, Richard Lueil Alors, euh, moi, j'ai mis sept mois à le rédiger, parce que j'ai été pris un petit peu de cours par mon éditeur qui, qui me le demandait euh, de manière assez urgente. Mais c'est un travail, c'est des milliers d'heures, parce que. Avant de faire ce livre, j'avais compilé un, une somme assez hallucinante de documents. Et il y a même des choses que j'avais qui, qui traînaient depuis des années. Je ne savais même pas si j'allais les utiliser un jour. Et là, je les ai utilisés dans, dans ce livre. Comme par exemple, tout à l'heure, on parlait des, des impôts et puis de la révolte de 1799, qui n'est pas liée qu'aux impôts, hein, mais dont les impôts ont été un, un des éléments déclencheurs. Eh bien, euh, c'est euh, des documents que j'ai pu placer, qui avaient certaines fois, il y avait 15 ans que je les avais sous le, sous le coude et je me disais peut-être qu'un jour ça me servira, effectivement ça m'a servi. Merci Richard Lueil pour euh, donc cet entretien. Autour, la deuxième partie donc autour de votre livre Moi Grignon, paru aux éditions Le Lys et le Lin. Euh, au fait, on peut le trouver où votre livre vous pouvez le trouver chez votre libraire, un petit peu partout en France. Il suffit de le, il suffit de le, de le commander. Sinon, il est disponible sur le, le site internet de la maison d'édition Le Lys et Le Lin. Donc, commande par internet, hein, paiement par carte bancaire. Mais dans, chez tous les libraires, même en grande surface, les grandes surfaces qui, font, qui, font un, qui ont un rayon librairie, vous pouvez le commander. Il n'y a pas de problème. Merci à Grégoire Joanne, à la technique, Françoise Morel et aux autres radios bretonnes de RCF. A la semaine prochaine, Richard Luy, au revoir. Au revoir, Ronan, à la semaine prochaine. Toutes bienvenues pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse. Troisième partie avec Richard Luel. Richard Luel, bonjour. Bonjour Ronan. Nous sommes ici pour, en Vendée pour parler de votre livre Moi Grignon. Et cette fois, cette partie s'intitule euh, Grignon, la légende et le vrai homme. Vous avez publié un livre sur, euh, sur lui, donc s'intitule Moi Grignon, édition Le Lys et le Lin, en août 2020. Euh, D'abord, son enfance, Richard lui a, il est né dans une famille de 14 enfants. Qu'est-ce qui va le faire euh, pencher progressivement vers la République alors Parce qu'en fait, euh, on est quand même dans un pays euh, quand même euh, sacrément catholique et royaliste. Quoi. Alors, lui, déjà, il habite euh, du côté de Douai-la-Fontaine, donc euh, c'est un petit peu le pays le miroir et les opinions sont déjà un petit peu moins catholiques que dans le, dans le pays du Bocage. Grignon, il se fait appeler Grignon de Grand Maison. Il rêve d'une particule, il rêve d'honneur, il rêve d'être un seigneur quelque part. Et euh, il n'est pas non plus à plaindre. Hein. Il a été fermier général. Il est, euh, c'est quelqu'un qui a qui a des biens et puis qui a de l'argent, mais à qui il en faut toujours plus. Et puis cette jalousie des nobles, et puis cette détestation petit à petit des prêtres, et puis ce mépris pour les classes populaires. Eh bien, Vont naturellement l'entraîner le, vers les idées les plus extrêmes de la Révolution. Il y a un moment donné, on, on retrouve dans, dans le livre, par exemple, il y a une, une paroisse dont les, la, les biens sont en vente. Euh, ce n'est même pas une paroisse d'ailleurs, il me semble que c'est une abbaye. Vous voyez, je me souviens même plus de ce que j'ai dans mon livre. Et il y a une vente aux enchères comme biens nationaux. Et euh, il se promène là avec sa femme. Et il voit des livres, il y a des, des livres religieux parce que tout est liquidé. Et il veut absolument, il fait un, un foin épouvantable parce qu'il veut que ces livres soient brûlés sur la place publique. Voilà, donc c'est vraiment une, une haine féroce, je dirais presque pathologique, qui va l'entraîner dans le grand, le grand maelstrom de, de la Révolution, dans le grand tourbillon révolutionnaire et des exactions à non plus finir. Mais pourquoi il est comme ça Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il déteste les prêtres, les nobles, et... Les paysans, ça fait beaucoup quand même. qu'est-ce Dans son éducation, qu'est-ce qui s'est passé quoi Je pense, euh, je ne suis pas praticien, mais je pense qu'il a une pathologie euh, un petit peu euh, perverse, narcissique. Et puis, euh, et il veut être le meilleur. Il n'y a que lui qui, qui, qui est bon. quoi. Et euh, ça se voit d'ailleurs dans, dans les justificatifs qui, qui va au, tout au long du livre pour se dédouaner. Et ce qui produit, c'est que des choses, à son honneur... C'est lui le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus compétent, euh, tout en, en essayant d'arborer une, une sorte de fausse modestie. Mais je pense qu'il y a, c'est un homme, c'est un homme normal, c'est un homme comme vous pourriez en croiser dans la rue en faisant vos courses, mais il a ce désir de d'orgueil, de, d'un ego surdimensionné. De, qui va presque à la pathologie. Mais vous savez, aujourd'hui, on en a encore des, des gens comme ça. Alors il est petit, je crois, il y a une description au début de votre livre. Il, il est assez petit, il y a même un portrait, euh, un portrait robot de, de lui. Il n'est pas très beau non plus. Alors il n'est pas très beau. Bah, écoutez, euh, c'est moins pire que les descriptions qu'on en fait dans l'historiographie du 19e siècle, où bien souvent les historiens royalistes ont... On L'ont littéralement démoli en lui mettant un grand nez crochu, euh, il bave, enfin bon, il est, il est vraiment, il fait vraiment peur à voir. Il ne va pas s'y faire si peur à voir quand même, parce qu'il a été marié, il a des enfants, bon, euh, il, a, il a notamment euh, trois filles. Euh, moi, la, la, le portrait que vous trouverez dans le livre, qui est inédit, puisqu'on n'a aucun, aucun portrait de son vivant de, de ce personnage, qui a été fait par un ami qui est illustrateur, c'est un portrait qui est fait d'après son, son passeport, en fait, son passeport révolutionnaire, qui donne une description assez précise de son physique, et le dessin est fait à partir de cela. Mais comme je le, disais, je le dis encore une fois, euh, bon, à part, bon, là, euh, il est un petit peu échevelé, il est, bon, un petit peu sur le. On sent quelqu'un qui est euh, un petit peu comme Marat dans l'extrême, etc. Mais. Sinon c'est très de personnalité, c'est très physique, c'est quelqu'un de tout à fait, tout à fait euh, normal, qui, qui, qui passe inaperçu. Louis Grignon est marié, vous l'avez dit, et il a euh, trois filles. Derrière, on dit souvent que derrière un grand homme se cache euh, une grande femme, dit-on généralement. Alors que sait-on de, de l'influence de, de son épouse Est-ce que l'influence en bien finalement pour modérer ses, ses ardeurs révolutionnaires et barbaresques non, il semblerait que la, la femme de Grignon ait eu un rôle très effacé. Et euh, de toute façon, elle n'est pas avec lui. Il est, euh, bon, lui, il est à la guerre hein, en permanence. Elle a un rôle très effacé. Et euh, j'ai l'impression que Grignon euh, n'aimait pas spécialement les femmes. Ce n'est pas, pas son truc. Euh, pas il, il se targue d'être un bon père de famille d'avoir recueilli chez lui, alors attendez, il va très loin, hein, il a recueilli chez lui des enfants vendéens pour les, les sauver des massacres, mais euh, on n'en a même, on en a aucune preuve. C'est un homme qui, pour moi, je le vois dominé par un orgueil et porté, il surfe sur la vague révolutionnaire, il surfe jusqu'à l'extrême sur cette vague révolutionnaire. C'est quelqu'un qui fait passer la révolution avant, avant les sentiments. Donc en fait c'est un homme sans foi mais avec des lois quoi, des lois républicaines. Oui, il a foi en la République. Il a foi en la République, il a foi en... Il pense que la République va être immeuble, elle va être, elle va être éternelle. Bon, l'histoire lui donnera tort, puisqu'ensuite on aura Bonaparte, on aura Louis XVIII. Mais... Euh, et il est persuadé qu'il faut la défendre coûte que coûte, à tout prix, et à n'importe quel prix, y compris au prix du sang. Pourquoi Louis Grignon est parti en prison en 1795 alors qu'il fut justement un remarquable exécuteur, vous l'avez dit, des décrets de, de janvier 1796 et octobre 1793 et en 1794 aussi, ordonnant donc le populicide, la dépopulation du pays par les troupes républicaines Il aurait au contraire dû être félicité et avoir des médailles, non ben, Entre-temps, le comité de salut public est tombé, la tête d'Orbespierre est tombée, le 9 Thermidor, donc le 27 juillet 1794. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la révolution, mais disons que on va, le, le, le niveau de terreur va retomber un petit peu d'un cran. Parce que les révolutionnaires se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, ils finissent par se guillotiner entre eux et que ça n'a plus de sens. On, on veut essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Attention, hein, pas, on n'est pas euh, dans un régime démocratique, loin de là. Hein. Mais on essaye de... de, de on se dit, oh ben, l'histoire des guerres de l'Ouest, etc., puis toutes ces guerres aux frontières, il faudrait arriver à, à finir tout ça, et puis qu'on termine la révolution, qu'on établisse la République de manière, de manière durable, comme on dirait aujourd'hui, puisque le mot durable est un mot à la mode. Et il euh, y a surtout un personnage qui s'appelle Joseph Le Quignot de Kerblay, <coughs> qui est originaire du Morbihan, et lui, euh, Le Quignot, il va produire en octobre 1794 un mémoire terrifiant sur les colonnes infernales, où il dit qu'on a ressoulevé le peuple à nouveau en commettant toutes ces exactions, et il est particulièrement sévère à propos de plusieurs généraux, et dont Grignon. Il a compilé toutes les plaintes de républicains, je parle bien de républicains, d'officiers d'État civil, de maires de, de, différents, de différents grades et fonctions dans l'administration républicaine qui dénonce les agissements des colonnes, et en particulier ceux de la colonne de Grignon. Alors, sans doute a-t-il un, un grief personnel contre Grignon Il faut savoir, et d'ailleurs Grignon l'en le, parle dans son mémoire, que Lequignon n'est pas un enfant de cœur non plus, puisque c'est quand même un révolutionnaire bontin qui a fait massacrer des prisonniers dans les prisons de fontenay comte au, au début de la guerre de Vendée, au début du soulèvement. C'est quelqu'un qui... Un terroriste, hein, euh, authentique. Mais par contre, il a compris que c'était contre-productif. À partir du moment où si on tue tout le monde, bah, les gens ils vont se rebeller. Et il enfonce littéralement Grignon. Et Grignon fait partie de tout, tout un chapelet comme ça de, de généraux qui vont être destitués et mis en prison. Ce mémoire Prodomo, donc, qui vous sert de base pour votre livre, est rédigé dans un ancien français. En plus, à la troisième personne, ce qui donne vraiment l'impression de. Pour Louis Grignon, de quelqu'un qui a mauvaise conscience, car il essaye de justifier l'injustifiable. Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message finalement euh, sur lui-même, euh, ce Louis Grignon Il veut faire passer le message euh, d'abord d'une part qu'il n'est pas responsable, il a eu des ordres, et puis que de toute manière tout le monde agissait comme ça à cette époque, et qu'il euh, il n'a il fait que servir les intérêts de la République parce que l'époque était comme ça, et parce que euh, de toute manière euh, il reconnaît, il dit Ah oh bah oui, il euh, y a eu des choses horribles. Il y a eu des choses horribles, mais nous n'avions pas le choix. Il se justifie comme ça. Il, just, il ne justifie rien, en fait. Mais il est assez intelligent pour tout de même, dans la deuxième partie de son mémoire, euh, modérer un petit peu ses opinions et en disant, oui, vous comprenez. Euh, tout ça, c'est bien horrible, mais avec ce que les Vendéens nous faisaient, on était obligé de, de les attaquer. Les, de les attaquer on était, euh, voilà, et puis, après tout, si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, faites-les au législateur. Eh bien, un peu de musique dans ce monde de brut, Richard Lueil, euh, ça adoucit les mœurs en plus, on en a bien besoin dans ces temps un peu euh, troublés. De ces années 2021-2022, on va écouter, tenez, c'est vous qui avez choisi Chopin Nocturne, opus 9, numéro 2. Une musique que vous écoutez souvent, j'imagine oh, C'est une musique que j'écoute souvent quand j'écris. J'aime bien, bien le piano, j'adore le piano. Et euh, c'est quelque chose de, de reposant. Et euh, c'est une mélodie qui, qui n'a pas vieilli, qui est. Euh, voilà, moi j'adore. Comment se justifier d'un choix musical Je ne sais pas. J'espère qu'elle qu conviendra aux éditeurs. Retour pour Chemin de Traverse ici en Vendée pour parler avec Richard Luey de, de son livre Moi Grignon paru aux éditions Le Lys et Le Lin en été 2020. Richard Luey, on vient d'écouter donc Chopin et on revient donc sur ce, ce général terrible d'une colonne infernale. Finalement, vous avez dit qu'il ne, qu ne fait qu'obéir aux ordres et que ce n'est pas forcément un inculte alcooliques comme sont souvent décrits les, les chefs des colonnes infernales. Alors, alors c'est quoi son, son caractère Alors bien souvent les chefs des colonnes infernales sont décrits comme des, des, effectivement des alcooliques, un hein, culte, des gens sans foi ni loi, etc. Euh, bon, il y en a un comme ça qui peut correspondre un petit peu à ce cliché, c'est le général, le général Huchet. En revanche, Grignon, non, c'est quelqu'un qui a, il sait, encore une fois, il sait très bien ce qu'il fait. Ce que ça peut avoir comme conséquence. Et il euh, y a peut-être une seule chose qu'il ne mesure pas, c'est la réaction des populations. Il pense que les populations vont se laisser génocider, entre guillemets, ou populicider. Moi, j'aime bien le terme de populicide, parce que populicide, c'est le massacre du peuple. C'est encore un cran au-dessus du des génocide. Mais euh, il pense que les gens vont se laisser faire. Et là, là il a tort. Et c'est ce que Le Quignot, d'ailleurs, euh, va lui reprocher dans, dans son livre. Parce que. Moi, mon livre, il est, euh, il est un petit peu le pendant de ce que Luc Iñou avait fait en, en 1794, qu'on trouve encore chez les libraires, hein, parce qu'il a été réédité depuis. Et euh, il y a une chose qui transparaît chez Grignon, euh, c'est la, la part du gain. Il voit toujours des gens riches. Il y a un moment donné, il, il y a un personnage qu'il connaît, qui habite pas très loin de chez lui, qui est révolutionnaire comme lui, mais il va aller le faire accuser de royalisme, parce que, tout simplement parce qu'il veut s'approprier ses biens, son argent, etc. Il le jalouse. Et alors que l'autre dit, mais écoutez, moi je me fais, euh, il y a Grignon, il a, il a commis des horreurs sur le territoire euh, que j'administre, et euh, euh, voilà, et Grignon il dit, mais, non, non, mais si j'ai commis des horreurs, c'est parce que vous êtes un royaliste. C'est incroyable, c'est incroyable. Il accuse même les gens de son propre camp. Alors on connaît les, les exactions donc des, euh, des colonnes infernales, mais bon, euh, il suffit en fait de voir aussi les personnes. Euh, page 86, vous avez quelques, vous énumérez quelques victimes. Alors nous sommes euh, le 14 mars 1794 et la colonne de Grignon arrive, je crois, à Bressuire, un village ou une petite ville qui va être incendiée. Sont victimes Jean Michaud, 4 ans, Marie-Anne Michaud, 3 ans. Pierre Papin, 10 ans, Périne Turpo, 7 ans, Marie Turpo, 9 ans, Marie Bouju, 9 ans, Pierre Lomédé, 4 ans, Marie Lomédé, 2 ans, Marie Anne Rivière, 5 ans. Pour massacrer des enfants euh, de cette façon, euh, j'imagine qu'il faut avoir euh, sacrément bu de l'alcool, ou bien en tout cas avoir une conscience relativement euh, altérée, non alors, ce, ce massacre que vous venez de citer a eu lieu à, à Neuilly-les-Aubiers, aujourd'hui Neuilly-les-Aubiers, qui, qui était un village à l'époque, qui est une petite ville de, de 6000 habitants aujourd'hui. Vous parlez de Bressuire, qui est aujourd'hui une des sous-préfectures des Deux-Sèvres. De il va incendier Bressuire le 14 mars 1794. Il a fait une, une première promenade, entre guillemets, révolutionnaire, euh, où il a, qui s'est terminée euh, bah, contre les Vendéens du général Charette à Chauchet, donc dans l'actuel département de la Vendée, parce que là, il a pris, on va dire, il a pris une bonne pâtée. Hein. C'est là qu'il se rend compte que ben, c'est peut-être pas si facile à ça que ça de massacrer les populations, parce que les, les, les Vendéens résistent, ils vont, ils vont se, se, se rebeller. Et il va retourner euh, sur l'est, le, on va dire, de, du territoire insurgé. Et le 14 mars, il va recevoir un ordre de Thurot d'aller, euh, de reprendre un parcours en direction de neuilly les aubiers où y apparaît il apparaît-il un rassemblement de, de royalistes. Alors, les exactions, là que, ces questions de, les questions de ces enfants, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, parce que les, les listes ne peuvent pas être exhaustives. Les, les registres paroissiaux ont disparu ou n'ont pas été tenus, etc. Mais j'ai choisi ces noms d'enfants parce que juste avant... Dans le livre, vous avez sans doute vu Ronan, qu'à un moment donné, il dit non, je n'ai jamais donné ordre de tuer des enfants, au contraire, j'en ai recueilli, etc. Et moi, j'ai la liste, cette liste d'enfants, là qui est, euh, qui est une compilation hein, de ce qui a pu avoir sur Noéil-les-Aubiers, le... parce qu'on a quand même 89 morts, je suis rien que sur cette journée. Eh bien, le... cette liste d'enfants prouve tout le contraire. Alors, bien sûr, c'est pas Grignon qui les a tués de ses mains, mais il a laissé faire. Les soldats les ont tués la plupart du temps à coup de baïonnette, et euh, sans que Grignon euh, leur dise non. Voilà, Grignon est, est derrière, c'est lui qui donne les ordres. Mais qu'est-ce qui va devenir, euh, Louis Grignon, euh, une fois, par exemple, euh, en 1795 euh, Je crois que la Convention euh, s'amnistie elle-même, euh, hein, c'est quand même un peu le comble. Ah, oui, ils oui, ils oui. se pardonnent eux-mêmes. C'est la, la, la Convention va s'amnistier... Euh, de tout, en fait, les faits qui, ont été, qui auront été faits dans le cadre de la, de la Révolution ne pourront pas être poursuivis. Et euh, Grignon, après les épisodes de guerre de Vendée, il va être un petit peu. Alors, il n'est pas. Comme c'est un militaire qui a obéi aux ordres, il ne peut pas être, il ne peut pas être condamné à mort, hein, si vous voulez. Mais il peut être destitué, mis en prison longtemps. Il va être un petit peu euh, mis au placard, un petit peu. Et puis, petit à petit, les... il va redemander du service. Il redemande du service en 1797. Et puis, il termine un peu dans l'oubli. Son neveu, Merlet, qui est le, le préfet de la Vendée, donc euh, sous l'Empire. Le, le fameux préfet Merlet de la Vendée, qui est quand même connu. Hein, C'est son oncle, hein, Grignon, va lui trouver... Euh, un poste d'entreposeur de tabac donc voilà euh, du côté d'Angoulême où euh, Grignon terminera sa vie en, dans la misère. Mais est-ce que justement dans la misère et comment comment est-ce qu'on est-ce qu'on sait comment il va il va être appelé à Dieu Est-ce que euh, comment il va mourir quoi Il va mourir en paix ou pas Alors, il meurt, alors c'est assez, assez amusant parce que il a son, son mémoire là, que que vous avez lu Renan, il est paru euh, à Noël 1794. Alors évidemment on, on ne fête pas Noël à l'époque, on est en calendrier républicain. Et euh, donc c'est en 1825, le soir de Noël 1825, ça ne s'invente pas, hein, c'est le 24 décembre au soir. Grignon décède. Alors les historiens, là aussi de tendance royaliste, ont suivi un petit peu l'historien Jacques Crétino-Joli, qui a raconté beaucoup de... faut dire beaucoup de bobards, parce qu'il était légitimiste vraiment à fond. Et il fallait que les choses, ses écrits, s'apercutent. Il a été raconté que Grignon était mort en vomissant le, le, le sang par le nez et par les yeux. C'est absolument pas vérifiable, puisque de toute façon, quand on regarde acte, son acte de décès à Grignon, il y a deux témoins qui le signalent, qui le signalent, qu'ils l'ont trouvé mort. Et puis voilà, à l'époque où on le trouve mort, bon, il est déjà âgé. Donc il est décédé à l'âge de 77 ans, donc un âge relativement âgé pour l'époque, même il si, euh, y a quand même des gens qui atteignent largement les plus de 80 ans, mais il même des centenaires hein, à cette époque. Ils sont rares, mais il y en a quelques-uns. Il meurt à 77 ans et euh, il n'a plus comme appui, en fait, euh, que sa fille, qui, chose étrange, sa fille va finir, devinez où, dans un couvent. Alors ça c'est quand même assez paradoxal. Euh, et c'est sa fille qui vient euh, s'occuper de, de, de lui donner à manger, qui, qui va lui donner de l'argent, même s'il il en a peu, parce qu'il ne touche quasiment plus rien de l'armée, il est, il, il est dans la misère. Et puis son entrepôt de tabac en Angoulême, bah, il est trop vieux pour pouvoir s'en occuper. Et puis, et puis voilà, il termine, il, il va terminer à la fausse commune en Angoulême. Et c'est très étrange, parce que tous les Géronautes de colonne infernale, plus aucun n'a de sépulture existante aujourd'hui. Il n'y en a plus qu'un, c'est Caffin qui a une sépulture dans le département de la Vienne parce qu'il était originaire de, de ce secteur, où on peut encore voir sa tombe. D'ailleurs, il faut la, la conserver parce que c'est la tombe quand même d'un personnage qui a joué un certain rôle, même si c'est un rôle très négatif. Grignon est fini à la fosse commune. On est incapable de dire dans quelles conditions on est enterré, ni à l'emplacement précis. Il n'y a pas tellement de monuments à la gloire de, des républicains dans le coin, en Vendée ah, alors, les républicains, il faut se dire quand même qu'il y avait des républicains de bonne foi, puis il n'y avait pas non plus que des, que des assassins, des ordures dans, dans l'armée de la République. Mais il euh, n'y a que deux monuments, à ma connaissance. Il y a le monument de mur -et donc près d'Angers, qui célèbre en fait euh, une action assez large des soldats de la République qui ont fui. Euh, ils, étaient, euh, ils avaient un peu abusé de l'alcool, ils ont fui devant, euh, devant une colonne vendéenne qui, qui venait pour se battre et ils se sont jetés dans, dans une falaise. Euh, qui est près de la Loire, qui domine la, la, la rivière du, du, du Louet, qui se jette dans la Loire, il y a une falaise là quand même qui fait plus de 60 mètres de haut. Ils se sont jetés d'ici plutôt que d'affronter les, les Vendéens. Donc la République leur a fait un, un, un monument très glorieux Elle a fait également un monument très glorieux à Neuilly-sous-Passavant, donc dans le sud du Maine-et-Loire, parce que les Vendéens en avaient marre de se faire piller, ils ont ils s'étaient défendus et ils avaient été attaqués le bourg de neuilly sous Passavant avant, où les républicains avaient entassé ben, des biens qui provenaient des fermes des paysans. Et c'est Grignon qui est venu les défendre. Grignon, d'ailleurs, il en parle, mais là, il n'en parle pas. Euh, il, on ne comprend pas très bien, parce qu'il aurait pu se faire l'éloge de lui-même, mais non. Il préfère euh, ne pas trop s'attarder là-dessus. Mais il y a eu un monument. <coughs> demi sous passe à la gloire des républicains qui ont résisté dans le clocher de l'église contre les brigands, etc. À côté de ça, vous avez les fausses cadilles, toujours en Maine-et-Loire, près de saint lambert du latet où des, des pères de famille enrôlés dans la République, c'est ce qu'on appelle les, les fameux pères de famille d'Angers, qui, qui sont venus se battre à la bataille du Pont-Barré le 19 septembre 1993, dans le, le département de Maine-et-Loire, donc sur le territoire insurgé, pour se battre contre la République. Ils ont perdu la bataille. Il y en a près de 2000 qui ont été littéralement massacrés par les Vendéens. Ils sont enterrés dans une forêt. L'endroit s'appelle les Fosses Cadies, parce qu'on voit il y a des, des traces de fosses. Le, le sol est complètement euh, affaissé à certains endroits. Donc on voit qu'il y a des corps qui sont dessous, qui ont dû se décomposer. Et là, il n'y a aucun monument. Il n'y a aucun monument à la gloire de ces pauvres types qui, euh, eux, n'étaient ben, euh, pas des incendiaires. Hein. C'était des gens qui, qui combattaient pour la République. Euh, voilà. Et euh, le pire, c'est qu'aujourd'hui, le lieu est entretenu par une association locale qui, euh, aux dernières nouvelles, est une association royaliste. Quand même paradoxal. Eh bien écoutez, merci beaucoup Richard Lueil pour ces, ces entretiens, ces trois, trois émissions autour de votre livre. Moi, Grignon, paru aux éditions Le Lys et le Lin, euh, en août 2020. Euh, on pourrait citer votre, vos blogs aussi pour terminer, le blog de votre épouse. Alors le blog de mon épouse, c'est la maréchine normande. On retrouve en cherchant sur Google et le mien, c'est Chemin Secret. Il est actuellement sur la plateforme Eclablog, mais en cours de déménagement. Mais il va être encore en ligne pendant longtemps, le temps que la nouvelle plateforme soit opérationnelle. Merci beaucoup à aussi Grégoire Johan à la technique, Françoise Morel et toutes les autres radios RCF bretonnes. Réécoutez cette émission en podcast sur le site RCF.fr. Au revoir, merci beaucoup, Richard Lueil. Merci beaucoup, Ronan. Ce fut un plaisir.